salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous? Bah moi ça va pas très bien, tu sais quoi, vas-y seringue, on se pique, c'est bon, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Allez, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure horrifique. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça soutient, et on aime soutenir, vous le savez, en tout cas j'espère que vous aimez me soutenir. Bref, on est parti, plongez-vous dans le noir, 4K 60, tu connais, évidemment, et... on va découvrir tous ensemble. Donc, premier étage, c'est là où on est, parce qu'il n'y a pas de rez-de-chaussée, je rappelle, aux États-Unis, MDR. Donc, premier étage, donc 2F. Deuxième étage, hein, second floor, vous l'aurez compris. Il y a l'appartement 4, 5, 6, 7, 8. Et nous, c'est l'appartement 9 qui nous intéresse. Mais on a les clés de l'appartement 5, quand même. Donc, vous savez quoi? On va y aller, évidemment. Bref, 4K 60, un casque et des écouteurs, tu connais. Et on va ensemble... se régaler, se plonger dans l'horreur. Ah merde alors, c'est fermé. Merde alors, c'est fermé. Merde alors, c'est fermé. Oh ouais, je sais que c'est pas bien de s'incruster chez les gens, mais enfin... non mais attends, mais c'est débile, des aérations comme ça, ça existe pas, frère. Sinon, cambrioler, c'est trop facile. Ok, au moins c'est ouvert. Ok. Tiens donc. Je sais que ça vient de cet appartement. Je n'arrête pas de leur dire. Pourquoi ne réagissent-ils pas? C'est insupportable. J'ai l'impression que ça se faufile sous ma peau, que ça s'infiltre dans mes poumons. Ah, je reconnais. C'est les puces de lit, ça. Ok, très sympa en tout cas l'appartement. Écoutez, s'il y a d'autres dispos sur Airbnb, je crois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On réessaye, sur un malentendu. Merde alors. Une téloche. Ok. Appartement 5, nous y voici. Une cuvette qui a été retirée. Ouais, je vous décris ce que je vois, mais ça me rassure, ok? Ok, jusqu'ici, écoutez, tout va bien, ma foi. Peut-être un voisin un peu trop... un peu trop bordélique, mais enfin... je suis pas venu ici pour écouter des bruits de pas, quand même. Ça mène à autre chose. Oh merde, alors. Cascade. Bon, bon, on y va dans cet appartement neuf, hein. Bon, toujours pas de lampe torche, hein. Merde, alors. Pas de demi-tour possible? Et puis elle est apparue et a tout balayé. Ma vie a commencé à retrouver un sens. C'est cet endroit, je ne peux pas lutter. Je dois avoir l'esprit clair, arrêt rapide au Texan, puis on part. Merde alors. Ok. Respiration forte. Vous avez entendu? Ok. Un trou? J'adore regarder dans les trous. Vas-y, Nick, hein. C'est un gloriole? Excusez-moi. Bon, c'est un jeu interdit au moins de 18 ans, ceci dit. J'ai peur, hein. Thank you.
Putain, qui a chié sur la poignée? Ça fait 3 fois cette semaine. Vas-y, je m'en bats les couilles, j'y vais. Putain, mais c'est horrible, je me souviens pas de ça non plus. Allez, mon gars, mon Jeb, c'est pas grave. Les nouvelles sont bonnes, écoutez. Les gars, je crois que j'ai mis ma main dans un trou de balle, hein. Non ? Oh, je me suis chié dessus. Oh, doux Jésus de Nazareth. Ok. On se barre ? Allez, on se barre. Bon, plus de peur que de mal. Là, on a tout ce qu'il faut. Pas se foutre de ma gueule. Ok. Bon les gars, s'il y a un truc chelou qui arrive, je repars en haut. Hein. J'ai la curiosité de savoir ce qui se passe là-haut, ceci dit. Cette curiosité est plutôt malsaine. De mal que peur. Ok. Ceci dit, une lettre étrange. Ça veut dire qu'il se passe des choses, c'est ça? On dirait que la lumière les attire, le bruit aussi. Si vous voulez survivre, restez dans le noir en silence. Ils sont combien, putain, frère? Je commence à les dompter, ces petites bêtes. Bon. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un truc de fou, putain. Cet endroit, tout ce qu'il m'a apporté, c'est de la souffrance et du malheur. Yes. M'en vouloir, je ne pense pas. Ok. On peut les tuer, mais veillez à ce qu'ils ne se relèvent pas. Logique. T'inquiète que ça, j'y veille depuis la première seconde. Hein. Bon, alors attendez. Putain, quel merdier. Check, check. Ah. La résidence qui permet de passer à travers, ok. Keep out. Bon bah on va les écouter, on va keep outer hein. Ça m'embête. Parce qu'à même le sol, il y a... Ah putain, attendez.
là, en haut à droite aussi. Heureusement qu'ils se relèvent pas les gars quand on les a tués par contre, hein. Quel bonheur ça. Non mais parce que les tuer 4 milliards de fois ça m'aurait cassé les couilles. Hein. J'ai envie de faire le point d'interrogation là-haut, ça m'intrigue, le doute m'habite. Ok. Voiture de Schmitt. Vraiment envie de voir, hein. Désolé, mais c'est plus fort que moi, hein. On est là pour ça, c'est les copains, hein. Ouais. Point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est que ça mène forcément à quelque part. Vous l'avez vu ça? On voit à travers. Oh, je suis déjà venu ici, non? Ah, il y a trop de choses à checker. Hein. Waouh! On va aller save au carton rouge. Chouf! Allez! On est à une save par épisode, c'est plutôt pas si mal. Petite esquive latérale, ça fait plaisir. Il paraît qu'il y a quelque chose à droite. Mais quoi? Yes, c'était ça? Attends. Ça a l'air d'être ça en plus, hein. À l'intérieur, il y a des choses aussi. Oh, waouh. Il y a l'air d'y avoir des choses à l'intérieur. Comment on peut faire? Par là? Je crois que c'était ça. Trop cool. Trop cool, trop cool. Parce que ça, il l'avait pas écrit. Point d'interrogation, c'est fait. Rond, c'est fait. Rond, c'est fait. Il reste un point d'interrogation et ça... Ça m'intrigue fortement. Donc on va aller checker les copains. Moi, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Je suis désolé de me répéter, mais j'espère que cette aventure, vous la kiffez autant que moi. Que vous aimez bien aussi, que je prenne mon temps. Ok, c'est dans le coin à droite. Pas commencer à faire genre que je connais bien, mais bon, je connais un petit peu, quoi. C'est vrai que j'ai passé mon enfance ici. C'est là, non? Non, mais non, c'est en face. Mais c'est logique, c'est moi, là. Je suis trop bon. Ah, je crois qu'on n'avait pas réussi à rentrer. Nous n'avons pas pénétré la zone. Suite à divers carabistouilles. Ouh, chacal. Yes. Ok. Alors attendez, là c'est très intéressant. C'est là où on a la fameuse énigme de tout ce qu'il a essayé. Lire. Attends. Attends, merde alors. Normalement je devrais avoir de quoi essayer... Lire. Il a testé de 000 à 43.
44-40. Et la récompense et l'intérêt de me tabasser. Hein. Ok, ça me plaît déjà, ça me plaît, ça me plaît. On casse toujours les pierres à la tête. Hein. Je vais l'avoir le trophée, casser toutes les vitres du monde. Ok. 4 balles! C'est bien. Ah, c'est bien. Manque plus que s'il vous plaît. Oh, c'est bien. Putain, même, c'est même un peu trop bien. Je suis pas rassuré. Ouais, non, mais là, c'est trop. Est-ce que le fait d'avoir fait ça va rendre le jeu beaucoup plus compliqué? Regardez là où il regarde le James. Hein. Ok. On peut se barrer. C'est un travail bien accompli. Je suis trop bien, les gars. Je suis trop bien. Ouh ! Let's go ! Cet épisode 3 est dingue! Vous en pensez quoi, les amis, de l'ambiance un peu là? J'espère vraiment que ça va les motiver à refaire des dingueries à l'avenir. Hein. Ok, on retourne au Burr. On va pouvoir l'écouter cette musique. Ok. Pas dingue, hein, pas dingue, hein, niveau goût musicaux. Hein. Day there. Just the two of us staring at the water. Ok, la clé du Nailis Bor. Bon, écoutez, on va save, hein. Parce que là, je suis moyen serein quand même. Je suis moyen serein. Allez, on est parti. Ok. Donc c'est cette clé. Yes.
Ok, alors avant de grimper, on va tout fouiller. Parce que je suis pas une sassa, j'ai pas fait tout ça pour ça. Pas venu ici pour souffrir. Ok, c'est bon, on peut y aller. Me voilà rassuré. Putain, j'en ai marre de me faufiler dans ces petits trucs de merde. Ça sent pas bon, mon petit père. Ça ne sent pas bon. J'ai du soin. Ok. Il est revenu après votre départ. Il n'a heureusement rien tenté. Il semblait triste. Il marmonnait et parlait de quitter la ville avec quelqu'un. Je n'allais pas le laisser conduire dans cet état. J'ai donc verrouillé sa voiture. Elle doit être dans le coin. Il faudra vérifier qu'elle est encore là demain matin. C'est la voiture bleu-vert. Sa plaque se termine par 06, il me semble. J'ai noté un petit truc. Alors attends. Je peux rien faire là? Pas une récompense? J'ai noté quoi là? Sa voiture est bleu-vert. Elle est dans le coin. Bleu-vert, ok. Écoutez, si la voiture est bleu-verte, c'est qu'on va la trouver. Hop, ça j'en ai rien à péter. Je fais tout, et je vous ai dit, je fais toutes les voitures. Oh, incroyable. Oh non, mais j'ai trop de soins là. Je suis beaucoup trop retard. Ok. J'espère quand même que vous êtes plongé dans le noir pour l'ambiance. Hein. Parce que bordel, ça fait frissonner. Bleu verte. Je regarde toujours par terre parce que c'est par terre qui rampe, ces bâtards. Ah, salopard. Ça se termine par 06, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On est des vandaliseurs, on n'a pas peur. Oh tiens, j'ai même pas réussi, je suis tellement une merde. Ma vie pathétique. Ok, on est de l'autre côté du petit portail, le fameux. Alors attendez. La voiture est forcément là-bas. Que dalle. Et ben voilà, elle est là, la bleu verte. Comment il s'est garé là, ce bille? Allez, plus qu'un. Oh là là. Bon, j'avais fait le 2, j'avais bien maîtrisé, mais le 3... Le 3 est dur. J'ai même pas eu le temps de checker ce que c'était, frère. Résidence Wood, ok. Putain. Allez, un petit soin, là.
Oh, heureusement qu'on a fouillé le supermarché, hein, sa mère. Non, parce que là, ils sont venus, c'était un guet-apens. Hein. Je casse tout, rien à péter, je vous ai dit. Jusqu'à la fin. Attends, mais il se passe quoi là-haut? What is en brouille? Il y a une tempête. Wouh. Alors attends. Il peut y avoir une tempête, une connerie comme ça. Ça je reconnais. C'est pas des températures adéquates. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Quoi? J'ai peur. Stop. Grand confort. Les gars, c'est dur, hein. Vas-y, je bois encore un petit remontant. Putain, il m'en reste que 3. Pas faire le rame. Enfin, cascade. Enfin, ça part vite quand même, hein. Oh, une petite save. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, waouh. Dans les 5 trous prennent place 3 pièces qui brillent. En premier, sur l'arbre s'assit la jeune fille. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler. Une jolie fleur toute seule doit pousser. Puis voici l'homme, élégant et mystérieux. Sous le clair de lune s'éclairent ses yeux. Et hop, ça dégage. On verra ça plus tard. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi. Oh, régal. Qu'est-ce que c'est? Oh, des balles de pistolet. A savoir que là, pour l'instant, on a trouvé toutes les balles de pistolet du monde, mais pas de pistolet. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode 3 vous a plu. Quel épisode! Quel épisode! Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre formidable aventure sur Silent Hill 2. Bisous tout le monde! Bye bye!